Une usine de confection de tenues militaires à Mangon. Dans la région du Sud, une cartoucherie à Garoua dans la région du Nord. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense est sûr. Les fronts contre les dépenses d'importation d'équipements militaires. Présenté à la représentation nationale lors de la session de juin 2023. Le projet de construction d'une usine de production de cartouches à Garoua, avec l'appui technique de la Turquie, avance avec la même sérénité que. Joseph Betty Asomo implante au sein des forces armées camerounaises. Et où, devant les députés en juin 2023, le ministre en charge de la Défense révélait que, les diligences foncières et domaniales sont déjà terminées, le terrain a été identifié et limité. Et nous sommes en négociation, avec nos partenaires turcs, avec lesquels nous allons travailler, pour que le projet devienne une réalité. C'est une usine qui bénéficiera des technologies modernes et de l'expertise de partenaires techniquement aguerris dans la production des munitions de guerre et de munitions pour fusils de chasse. Rappelons-nous que l'importation des munitions et d'autres accessoires de fusils de chasse nécessite la sortie de capitaux chaque année. Après sa mise en route prochaine, l'usine jouera un double rôle. Elle aura pour premier objectif de rendre disponibles les munitions de guerre en ces temps, où les forces de défense et de sécurité sont mobilisées sur plusieurs fronts pour la défense de l'intégrité territoriale la protection des biens et des personnes et la lutte contre l'insécurité ambiante. Parallèlement, elle contribuera à la maîtrise du moins à la baisse des coûts des importations de ces matériels auprès des entreprises étrangères. Ce sera enfin une révolution dans le génie militaire camerounais qui développera les capacités militaires et industrielles des forces armées camerounaises, comme l'avait rappelé Joseph Betty Assomo, membre du groupe de travail mis en place pour la maturation et l'aboutissement du projet sous la présidence du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meca. Les forces de défense et de sécurité jouent un rôle pivot dans le processus permettant à un pays de muscler les filières industrielles dans la marche vers l'émergence économique. Une confection de tenues militaires dans le sud. La politique de l'industrialisation militaire du Cameroun engagée par. Joseph Betty à Somo, sous l'onction du chef suprême des armées, Son Excellence Paul Billa, dévoile un autre grand chantier en cours. Une usine textile verra bientôt le jour dans la localité de Mangon, dans la région du Sud.